Matin, nous voulons prêcher ensemble avec vous dans un autre livre qui c'est Abdias. Abdias, et c'est là nous pour aller prêcher la parole de Dieu. Nous souhaitons rejoindre lui pour que capable faire lecture ensemble avec nous. Abdias gagne un seul chapitre. Mais le fait que moi tant lui réellement avancé, moi voulais seulement lire 15e verset. Et à tour de rôle m'a retourné dans chaque verset qui dans livre ça. M'appelait seulement verset 15, Abdias. Car le jour est proche pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, merci pour grâce. Merci, cher Seigneur, pour le privilège que vous avez chaque petit garçon, chaque petite fille pour une présence dans la minute. Ça. Nous en présence de parole au Seigneur. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous avons demandé au souple, conduis-nous. Même Jean, patient, lorsqu'il est allé dans la clinique médecin, médecin diagnostiqué li, médecin gardé li, et certaines fois li ouais cas compliqué. En pile fois c'est intervention chirurgicale qui qu'on fait. Et dans intervention ça cher Seigneur, en pile fois à chaque fois pour médecin ça approcher de nous que nous sauter. Et peut-être ça li qu'on utiliser un anesthésiste qui là pour une bonne anesthésie. Certaines fois, c'est une anesthésie locale que nous prenons. Tout dépend de degré maladie ça. Certaines fois, c'est une anesthésie générale, cher Seigneur. Et dans d'autres cas, il n'y a pas même une bonne anesthésie. Seigneur, nous n'en présence parole, nous n'en clinique ou n'en clinique spirituelle là nous là matin, cher Seigneur. Gémoun, nous certains que vous voulez toucher dans minute ça. Nous apprendre souple et permet que parole soit capable de prêcher avec efficacité. Seigneur, nous ne connaissons pas pour qui raison c'est comme ça que vous voulez nous parler. Nous ne connaissons pas pour qui raison c'est manger ça qu'on prépare pour nous aujourd'hui. Vous mangez qui solide. Dieu Tout-Puissant nous a demandé souple et permet que petit garçon, petit fille, yo, capable prêt pour capable tendre ou qui a parlé ensemble avec vous. Même gens corps physique nous besoin manger. Comme ça, tout nom nous besoin de parole. Bénis-nous, Seigneur, assistez-nous, conduis-nous. Et c'est prière nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'orgueil des Édomites. Et c'est là nous pourrons prêcher la parole avec aujourd'hui. Mais avant même que nous gardions le texte qui devant nous, il est bon pour que nous fassions bac, aller bien loin dans le livre Genèse, qui c'est lui-même qui fait nous jouer un contexte. Texte que nous gagnons devant nous là, qui c'est Abdias, chapitre 1. Livre là qui gagne un seul chapitre. Dans Genèse chapitre 12, et c'est là l'Éternel il t'a relé Abraham. Abraham c'est pas parce que il était propre que ça. Abraham c'est pas parce que il était sans faute, mais l'Éternel il relé Abraham. Et dans verset 2, l'Éternel dit à Abraham, m'a faire devenir source bénédiction pour toute nation. Source bénédiction. Et arrivé au chapitre 15, l'Éternel fait alliance avec Abraham. Il fait une alliance pour le dire, depuis ce côté yeux au Kabaou, pour Jean yeux nous est loin, depuis ce côté yeux au Kabaou, ma baoule, depuis ce côté pied ou foulé, les pourrous. Et l'Éternel fait Abraham promesse ça. Abraham posait l'Éternel question, mais comment ça fait possible? Parce que déjà avancé en âge, et me paraît petite. Et l'Éternel dit à Abraham, c'est petit tout qui a joui tout ça qui m'a balbarou. Et quelques temps plus tard, Abraham avec Sarai, ils ont venu faire un petit garçon qui est Isaac. Bien avant, Abraham était en gagnant l'autre petit avec Ismaël.
Mais dans le plan bon Dieu t'a gagné un petit, qui c'est Isaac. Après la mort de Saraï, Isaac vient sentir seul. C'était une maman chérie, Saraï était pour lui. Donc on est, Saraï fait petit là dans ta. Et petit ça, son petit adoré. Après la mort de Saraï, Isaac besoin marier qu'on y a. Et Isaac vient marier effectivement avec une jeune dame qui relait Rebecca. Et Rebecca avec Isaac vient faire deux petites qui c'est Esaü avec Jacob. Deux petites garçons jumeaux. Mais cependant, depuis dans le ventre, deux messieurs ça n'ont pas marché droite. Et lorsque Rebecca sentit monsieur sa bataille dans le ventre, lui posait tête les questions et l'Éternel parlant ensemble avec lui, lui dit dans le ventre, il y a deux nations. Et deux nations ça yo, yo youn pa vle wè l'autre, youn pa marché ensemble avec l'autre. Effectivement, deux petites ça ont une fête. Esaü fait avant, l'homme dit fête avant, sorti avant. Et pendant Esaü a sorti, mais Jacob qui kembe talon pied. Esaü le sortit tout. Et explication ça nous pral comprendre li puis devant. Dans attitude que Jacob pral gagner, le fait que le kembe talon pied. Esaü. Jacob pas content non depuis dans ventre. Il n'est pas content non parce que c'est Esaü qui sortit avant. Et qui met à l'ombiel. Esaü vient devenu un habile chasseur, enragé dans la forêt, a tué bête, très habile. Et Jacob de son côté à la maison. Esaü sortit, elle vini, grand goût en paril. Grand goût, non, votre pas douce, et ça nous dit. Et nous dit, votre affamé n'a point d'oreille. Et lorsque Esaü vini, grand goût marel, Esaü, ouais, Jacob qui t'a mangé là, Esaü dit, frère, mon grand goût, ben mangez nous, s'il vous plaît. Et c'est alors que Jacob proposait Esaü un marché. Jacob proposait Esaü un marché. Et marché, ça lui dit, vends-moi droit que vous gagnez hein, comme premier petit, droit d'Inès là. Mais le fait que Esaü grand goût un et ensuite il n'a pas accordé trop grande importance avec droit de naissance. Esaü il conclut marché avec Jacob. Et pour marché a conclu, Jacob dit faut jurer, faut sémenter, oui. Et c'est comme ça marché a conclu pour une plate manger. Et la parole de Dieu nous dit c'est ainsi que Esaü méprisa son droit d'aînesse. Et lorsque nous parlons de droit d'aînesse, c'est un droit que premier petit là gagné après la mort de papal, c'est lui-même qui premier héritier. Tout ça, papa t'a gagné. Comme premier héritier de tout ça, papa t'a gagné. Quelle que soit quantité petite qui vient après, c'est après elle qui vient. Et si, par exemple, si papa te gagne $100, lui-même, qui c'est premier petit ça qui gagne droit de naissance là, en partie, il gagne moitié la donne pour lui. 50, même si tu gagnes 20 petites. Et dans 50 qui retient encore, il gagne un pourcentage par le même genre avec tout le monde. Et Jacob, guettant à convoiter droit ça depuis dans votre pour le sortir il qui met talon Jacob profitait de grand goût Esaü pour le conclure marché. Et lorsque m'a pris texte là m'a réfléchi sur un élément qui est très utile, m'a demandé combien monde qui profitait de situation de faiblesse yon lot pour l'exploiter dans le moment. Des moun qui victime s'exploiter exploiter dans le moment faiblesse li, oui. Jacob profite l'exploiter faiblesse Esaü dans le moment qui était grand goût. Et plus loin encore, deux monsieur sa yo
continuer à vivre. Lorsque Abraham arrive au moment pour le capable finir avec la vie, pour le quitter Tessa. Abraham relève Esaü, il dit petit garçon, vini non, me connais ou remet, fais bon manger pour moi, aller chercher bon petit viande moi, s'il vous plaît. Ou connais qui ça me remet, aller chercher cuite pour papa ou non. Et lorsqu'on finit ma béni on. Esaü allait vraiment, mais Rebecca t'es caché en côté. Il y a tant de conversations ça, il courir à joindre Jacob, il dit mais ça me saute. Tendez, papa ou dit. Il dit la béni Esaü. Il dit pour Esaü, fait-il manger qu'il remet. Allez, courir vite, elle prend barrette pour faire manger à Pouli. Et puis elle prend pot, on peut bête, qu'on y a la pour mettre le sou, le salap connaissait Esaü parce que Esaü était grand pile poil sous lui. Le pire de la chose, Rebecca dit si il y a malheur pour tomber, c'est pour malheur ça tomber sous moi. C'est comme ça, Rebecca complice avec Jacob. Jacob présenté devant Isaac, qui est déjà aveugle, qui paraît encore. Il rentrait dans l'âge. Lorsque Jacob présenté Isaac touché pour le capable garder. Jacob prend un manteau, Isaac prend son lit pour le garder. Lui, ouais, ça, c'est Esaü. Et pourtant, c'est Jacob qui trompe. Et lorsque Isaac finit de manger, il bénit Jacob. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, l'Éternel dit que Abraham a pris une source bénédiction. Vous avez posé la question, comment faire lorsque Esaü vini qu'on y a, Esaü vini côté bon Dieu, côté Isaac pour le dire, mais non, mais moi, papi, mais sortez-moi des malfaits pour moi. Hélas, c'était trop tard. Esaü dit, bénis tout. Isaac dit, mais non, je ne peux pas bénir encore. Jacob qui t'en prend bénédiction. Jacob qui t'en prend. Oui, l'Éternel qui a béni Esaü. Mais songez bien, depuis dans Genèse chapitre 12, verset 2, l'Éternel dit, Abraham, c'est son source la pied. L'Éternel délègue pouvoir ça à Abraham comme source. Isaac fin dit ça, il n'a pas défaite lui encore. Et lorsque m'a réfléchi dans cette section, ça, je comprends que Rebecca, c'est pas un bon exemple, non, pour maman. Yo. C'est pas un bon exemple, non. Ou pas qu'un complice. Ou pas mettre division dans la famille. Là. Parce que Rebecca, dans la Bible, ça ne veut pas dire son bon exemple, non, pour nous-mêmes, mesdames. Yo. Et je comprends que je dis à un pile maman qui remonte petit, passe un lot. Lorsque il y a des blousailles dans la famille, ou responsable. Ou responsable. Et lorsque la situation empire, Rebecca dit Jacob, courez-nous à le cacher. Courez-nous à aller. Allez là, caille là-bas. Allez nous à le fond temps là. Et là, on va jouer une fille, on va marier là, l'autre, on va pas marier avec mon qui boit ici. Elle va marier bien loin. Jacob levé l'aller. Jacob levait l'aller. Et quelques temps plus tard, Jacob avec Esaü vient rencontrer. Mais deux messieurs ça ont fait une réconciliation, mais c'était une réconciliation partielle. Même dans la réconciliation encore, Jacob a menti. Lorsque Esaü dit, frère, je vais aller, je vais quitter nos soldats là pour accompagner, oui. Jacob dit non, je vais aller dans telle direction. Et pourtant, quand elle te dit, le bras là, il parle, le bras livré. Il veut qu'on aille aller, il faut l'autre route parce qu'elle a sauté, qu'on s'est fait. Même dans la réconciliation, elle a bien menti. C'est comme ça. Tout le monde qui sauté dans Esaü, vient dans le peuple ça qui relève Edom. Et tout le monde qui sauté dans Jacob, vient dans le peuple ça qui relève Israël. Edom avec Israël. Deux peuples ennemis. Et maintenant, c'est le livre ça, Abdias, qui parlait nous de orgueil et dont tu as gagné contre Israël. On dirait que c'était une revanche, c'est une vengeance. Mais cependant, il y a une remarque, il y a une leçon que me tirer. On ne fait pas mal, on ne fait pas mal. Well,
ça me fait pas bon. Mais le fait que me t'ai inscrit dans un plan, bon Dieu pas garder sous ça me fait. Parce que me t'ai inscrit dans un plan. Et nous parlons, texte a semblé injuste. Parce que Esaü victime deux fois déjà dans mes Jacob. Et pourtant c'est Jacob que le ciel bénit. Parce que bon Dieu t'a déjà fait Abraham promesse là. Et en plus, bénédiction que Isaac te baille là, c'est Jacob qui te recevoir. Dans le texte là, verset 1, prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Et maintenant, après trois éléments, ensemble avec nous, dans le texte qui est devant là. Premier élément, c'est ça que nous sommes capables de dire, l'annonce du châtiment des dons. Deuxième élément, c'est ce sont les causes de ce châtiment. Et troisième élément, c'est Jean, mon Dieu, lui-même, lui a rétabli, l'a restauré Israël. L'annonce du châtiment des dons, les causes du châtiment des dons, et pour finir, le rétablissement ou la restauration d'Israël. Nous avons une Bible ensemble avec moi. Nous avons un ingénieur qui a quitté le texte là pour nous, sous écran, pour que le peuple bon Dieu soit capable de voir ensemble avec nous. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera juste à terre. Et donc, côté lié, dans Jean territoire lié, sous hauteur côté que le lié, les charges de sécurité. Parce que pour yon l'armée, pour yon ennemi, ta vine jouen Edon côté lié. Ou gen plusieurs gros ravines pour descendre. Gen pile gros montagne. Gen pile roche qui pour empêcher arriver. Et Edon réalise la côté que lié là. Li gen pile sécurité. Et en tant que la pose tête les questions, qui moun ki ka vine prendre la mette ma tête? Et l'Éternel, dans l'omniscience, lui dit, et donc, même si ou t'as en l'air, dans l'espace là, moi même qu'à prendre météo, météo à terre. Dans Psaume 139, verset 6 à 12, moi mes psaumes ça en pile, lorsque le psalmiste a parlé, il dit, qui côté pour m'aller? Pour pas qu'apprendre. Qui côté pour m'aller pour pas qu'apprendre. Si monter en l'air, mon c'est là où y est. Même si m'en fait noir, côté mia, mais on a besoin de moi. Et donc, qui était orgueil, rempli tête li. Et c'est comme ça l'Éternel a parlé avec Edon. Il dit Edon. Allié ou yo, moun qui te ensemble avec ou yo, moun sa ou gen pou levé contre. En 587, lorsque l'armée babylonienne vini pou capable finir avec Israël, la capitale Jérusalem, lorsque Jérusalem a pris coup, et donc campé là, li campé tant kou ennemi là. Lorsque des moun dans le peuple Israël qui a couru et doit le camp en face pour le barrer là. Lorsque des moun qui a couru et donc qui maintenant moun la remettre l'armée babylonienne. Et donc présenté devant le peuple là tant qu'un ennemi, tant qu'un étranger. Non seulement et donc fait ça et donc rentrer dans le peuple là. Il volait sa peuple à te gagner. Je l'Éternel là, il a regardé ce qui a passé.
L'Éternel prend note. L'Éternel a gardé travail et don. Peut-être et don pas te connaît. Si tu es un jour, c'est pour l'Éternel que lié. Ça me remet dans la vie, c'est que méchant, même si lui ou elle a prospéré, mais la Bible dit ça. Si un méchant grandit, la prospéré en pile, c'est pour le capable anéantir à jamais. Anéantir à jamais. Au verset 5, Mrimi, Jean l'Éternel a parlé avec Edom. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté. Mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Qu'est-ce que l'Éternel veut dire là? Ou les voleurs viennent la caillou, voleurs pensent à la capoter. Vous comprenez ça? Les voleurs rentrent dans le jardin, voleurs pensent à la capoter. Gonjan Odile volait par jambes manger plus par ses médjades. L'Éternel prend image ça pour le parler avec Edom. L'étoile les volait rentrer, volait quitter. Mais moi-même, le rentrer, je ne peux pas quitter un. Hein? Rien. Je ne peux pas quitter rien. Edom, au verset 7, tous tes alliés t'ont chassé. Jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. Et donc fait alliance avec plusieurs autres nations pour mettre le peuple Israël dans une situation difficile. L'Éternel dit avec Edom, l'autre nation yo y a dominé yo. Qu'est-ce que ça veut dire là, dire on a dominé on l'autre monde? Ça veut dire moi pas moun parler. Là dit on a dominé on l'autre monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon prend moun frère Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire là, dit on moun a dominé yon l'autre monde. Yep. Ça veut dire moun a mette volonté pâle sous volonté pao. Pas vrai? Ça veut dire pas gain volonté, volonté pao sous volonté pao. L'autre nation quand tu fait alliance avec yo, il a joué. Qui ça veut dire là on a joué en l'autre monde. Ndam mes frères message dit ça. Là on a joué en l'autre monde. La petite gens fait tout la lito, vire à droite, vire à gauche. Pour les gens qui connaissent, mais manger, manger, mais il a faufilé la langue. Il a faufilé la langue. Là, on pense au bon ou pas bon. L'Éternel a parlé avec Edom. Il dit Zamir, yo. Moun ou te fait alliance ensemble avec eux sous peuple moyen. Moun sa yo gen pou yo rive pou yo domine yo. Yo gon lè a privé, y a joué yo. Si la ki te kon ap manje, manjo yo. Y a privé au moment, y a domine yo. Ou pap même karan nou kont sa. Femme dit ça bien, le complot dans le mal ne dure pas. Nou ka fè met tête nou ensemble pour nous faire ça qui bon. Mais depuis ces trois moun qui met ensemble pour faire un complot, dans mi temps trois moun ça encore pour aller gain des blousailles. C'est peut-être ça. Si son groupe moun qui met ensemble pour parler sous dos, quittez au parler. Dans mi temps eux même a gain des blousailles. Dans des blousailles ça, youn pral la vili l'autre. Dans des blousailles ça, youn pral frapper l'autre. Dans des blousailles ça, youn ka tuer l'autre. Ou apprêter pour garder. Complot dans mal pas durer. Complot dans le mal, pas durer. Les indications des causes du châtiment nous jouent à partir du verset 10. Au verset 10, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour
Nous avons mis le texte à forme l'île pour nous. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Regardez, figure là, je le présentais devant nous. Dans un moment, étranger, tu as rentré pour piller le peuple là. Au même où tu es en cours, youn parmi eux. Qui ça veut dire? Ça veut dire, et donc, tu es comporté en cours yon étranger. Alors que, qui ça israélien, c'est frère? Imaginez ça, oh. Des situations où trouvons dans la vie où un propre monde pour l'eau, elle campait tant qu'on soit étranger lié. La gado tant qu'on soit étranger, oh, c'est sous lui où t'es compté. L'Éternel dit ça. C'est pas moi qui dis, au verset 10, il dit ça à cause de ta violence contre ton frère. L'Éternel. Il a parlé avec Edom. Il dit, Edom, bralement. À cause de ta violence contre ton frère, ne répète pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Pas virer tes tout. Pas faire comme si pas trouer. Pas faire comme si pas connaît les frères dans situation difficile. Pas faire fête. Lorsque la vie frère, la vie sœur en danger, pas fait fête. Moi-même ensemble avec vous, la vie apprend nous en pile. C'est jodi à me camper là, m'a prêcher la parole de même matin, chercher nous pas joindre encore, nous disparaître. Son mot sur terre, mot sur la boue cap move là, m'pas rien. C'est jodi a te gen bel caille demain matin pas joine li encore. N'ta réfléchi me penser c'est Haïti seulement lorsque tremblement de terre passé, li fini avec sa moun te gagné, n'ta ici dans cyclone Sandy, m'ta wè sa cyclone fait moun. Ok, bon caille. Tremblement de terre passé, il mette la terre pour intéressant l'en fini. Ok, bon belle machine. Ou fou mauvais coup de volant ou en tort, accident. Eh bien, ou pas gen machine encore. Ou ka gen connaissance on maladie Alzheimer li passe le fin avant. Est-ce que l'église comprend ça n'a dit là? Je souhaite l'église comprendre lorsque qui moun que nous y est dans présence mon Dieu. L'Éternel a continué à parler avec Edom au verset 13. N'entre pas dans les portes de mon peuple. Qu'on y a l'Éternel identifié avec le peuple Israël. Avant, l'Éternel t'a parlé avec Edom, il t'a dit, songez bien, c'est frère Jacobien. Mais qu'on y a l'Éternel identifié pour dire, puis on rentre, pas rentrer dans le porte, peuple moi. Vous avez un problème avec un monde qui va contre mon Dieu. Vous avez un problème avec n'importe l'autre monde. Mais lorsque on a fait avec serviteur bon Dieu, où on a fait avec mauvais monde. Lorsqu'on a fait avec serviteur bon Dieu, où on a fait avec mauvais monde. Parce que silence bon Dieu, ça ne veut pas dire bon Dieu pas puni. Même si vous sentez l'Europe fait ça, ou pas jouer un yé qui arrive, ça ne veut pas dire bon Dieu quitte au comme ça. Ça ne veut pas dire bon Dieu quitte au comme ça. Toujours verset 13. Ne répète pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ça drôle, mais que parfois, mon pense qu'il était qu'à poté baoua, c'est lui-même qui vient prendre. À la cause pour la vie, mes amis. Mon nous pensait que t'es capoté bah qui s'est passé, c'est lui-même qui vient prendre. Mon nous pensait que t'es capable de faire nous, c'est lui-même qui a accusé. Et lorsque ça fait en d'un cœur, vous sentiez une déchirure, vous sentiez une blessure, une
amertume. Lorsque c'est moun qui vous t'a épaulé là, c'est lui-même qui plonge au dé. Plonge au descend encore. Oh, verset 14. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ces fuyards. Et ne livre pas ces réchappés au jour de la détresse. Est-ce que nous connaissons des gens dans la vie qui gardent les têtes comme Goliath en face? Est-ce qu'on connaît des gens dans la vie qui connaissent dans le cœur sans lui-même pas réaliser rien? Est-ce qu'on connaît des gens dans la vie chaque fois qu'on fait le barré ou? Est-ce qu'on connaît des gens dans la vie qui tourne un gros roche sur le tout? Le ciel a une solution pour les gens. Le ciel qui a... Non, ma prêche nous au message qui ont été genre rigide matin. Le ciel qui a une solution pour les gens. Nous avons un Goliath pour. Bon Dieu, vous voyez, on dit David pour capable de piquer. Nous avons la mer rouge devant. Le ciel a mené Moïse avec un bâton devant. Nous avons un gros roche. Eh bien, le ciel a roulé. Et dans où elle a crasé, oui. Il a crasé. Dans où elle a crasé. Verset 15. Quand le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Il te sera fait comme tu as fait. C'est ça que femme dit chaque monde qui proche moi de pour qu'a fait bien, continuez faire. Fais bien. Parce que on jouit bien quand même. On jouit bien quand même. Et si jamais ou même physiquement pendant on vit ça, ou pas ta jouit bien ça, ou met quoi on famille on jouit bien ça quand même. Et si jamais on famille on pas ta jouit bien, ou fait bien, parce que la Bible mande pour faire bien. Il en va de même si c'est mal ou fait. Le ciel a corrigé Caillou très dur. Le ciel a corrigé Caillou très dur. Mathieu, moi, je l'ai dit à chaque monde, à chaque fois senti orgueil, je voulais plaindre tout, garder côté bon Dieu sorti avec vous. À chaque fois on senti ou trop gros dans l'esprit ou gardez côté bon Dieu sorti avec vous. Voyez je garder quantité moun qui t'est passé sous même banc l'école avec vous, garder dans yo comment yo devenu. Voyez je garder en pile jeune qui t'est ensemble avec vous, garder comment la vie ou passé. À chaque fois que orgueil voulait plaindre tout, songez l'on pas de gain. Bon Dieu, bon je vous dis, pas vrai. À chaque fois, orgueil voulait plaindre tout, songez, bon moment, pas de papier. Mais je vous dis, on n'a pas de papier. À chaque fois que vous avez chaud avec petit, songez, bien, on le sait sous genou, on dit, ou pas de petit. Bon Dieu, bon petit, qu'on y a. À chaque fois, vous avez chaud parce qu'on sentit, ou on sentait ou trop beau garçon, ou trop belle fille, songez, l'autre est sous cabane l'hôpital. Vous yeux gardez dans le ventre ou après ma coopération. Matin, je voulais dire à chaque monde qui n'a pas quitté le rang social, faire oublier côté bon Dieu te prend. Pas quitter le rang social, faire oublier côté bon Dieu te prend. Il y a des gens qui sont dans l'école là, nous ensemble. Lowell, respect pour lui. Il y a des gens qui sont sous genoux, nous avons prié le ciel ensemble. Les États-Unis pas changé rien dans la vie. Bon Dieu qui fait le poil, qui fait le poulet demain matin. Et je comprends que une série de monde, il y a des gens dans la vie. Il y a des gens dans la vie. Bon Dieu, il faut que tu ensemble avec eux. Les gens ne savent pas qu'il y a des gens pour eux encore. Ils cherchent l'autre rang. C'est monsieur Intel qui a mis le cognac. C'est madame Intel qui a mis le cognac. Madame Intel pas de connaître l'eau pas manger. Hein? Madame est-elle pas connaît l'autre dans une situation difficile là, hein? Madame est-elle, c'est pas
Dieu nous lie, songez ça bien. Et c'est même monsieur ou bien madame et tel qui s'est allié ou c'est eux-mêmes qui ont tourné ennemi. Eux-mêmes. Mathieu me dit, même si méchant a fait complot sous où. Depuis que je me préparé le message, je me suis réfléchi avec ça. Je me suis senti que les gens, les foyers qui voulaient briser, son complot qui voulait briser le foyer. Son coup de langue qui voulait briser le foyer. Assoujez-nous plutôt, frère. Pour le ciel révélé, mais qui cache des ça qu'a fait là. Je me sens que les gens ont une bonne relation ensemble avec lui. Ou un monde n'a pas marqué ou mauvais caractère. C'est pas un fait monde non. Al sujet non pour bon Dieu révéler où ça passe, ça passe, ça fait là. Al sujet non pour bon Dieu révéler où ça. Allez sous genou. En pile fois que situation y est. C'est propre famille ou comme dit déjà qui mettait au la donne. Propres amis ou propres entrailles qui mettait au la donne. Et ça a contribué énormément dans la situation Israël. Mais le ciel t'a pris note pour Esaü. Je voulais dire matin, pas quitter la situation de faiblesse crasse moun. Fait ou même wa profiter de lui. Le ciel va profiter. Le ciel a mangé ma mon lait. Je me demande combien de monde qui a servi le Seigneur et qui a profité l'autre monde. Qui a profité de l'autre monde. Pourquoi on n'a pas besoin de demoiselle là? Quittez-le. Pourquoi on n'a pas besoin de monsieur là? Nous ne pouvons pas marier. Balvag, pas profiter. Comprenez? Ou qu'on ne peut pas parler de côté, pas profiter. Pas profiter. Si son monde a payé l'école pour lui, pas profiter mon nom. Pas profiter. C'est vrai dans la situation, le besoin d'aide là pour payer l'école, mais pas profiter ou même. Si son monde qui est dans une situation difficile, ou aider payer un caille en Haïti ou bien ici, aider le pays tant que chrétien, mais pas profiter. Pas profiter mon nom. Que c'est sous radio, ou attendez, m'a parlé ensemble avec vous. Que c'est dans le travail, ou attendez, m'a parlé ensemble avec vous. Que vous conduit, m'a parlé ensemble avec vous. Que vous là ensemble avec moi, m'a parlé ensemble avec vous. Pas profit, pas profiter. Même gens, Jacob lui profiter de grand goût Esaü, pas fait même gens. C'est pour un bon exemple. Pas profiter. Pas profiter. Et pour finir, c'est le travail que bon Dieu lui-même a fait pour le capable de restaurer le peuple Israël. L'annonce du châtiment, les causes du châtiment et maintenant l'annonce du rétablissement ou bien capable de la restauration d'Israël. Verset 17 pour venir au verset 21. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Jacob reprendra. S'il dit reprendra, ça veut dire, il t'a gagné un moment déjà, bon monde qui te prend, eh bien, la reprend possession li encore. Matin, quel que soit son t'a gagné, il prend déjà, ou maintenant, la retourne dans moi encore. La retourne dans moi encore. Mais quelle est la condition? Condition ça, son petit bon Dieu pour y est, oui. Pas prêt à prendre l'homme, mais on quitte à prendre l'homme. Le ciel a promis tout lui encore. Amen. Le ciel a promis tout lui encore.
Et m'ta remé gen moun la ki senti gon bagay ki se pou yo l'teye. Yo wè Satan pran l'anmen yo pou yo réclamer l'anmen Satan. Pou yo réclamer l pou di bam ça, ça c'est pas pour lié. C'est pas pour lié. Moi vle adresser matin avec servante avec serviteur bon Dieu qui là. Soit méchant prenant men yo. Yon bagay qui était très cher pour qui t'il aller ensemble ensemble avec lui soit au prend marou qui était à la bari ou qui était à la vel le ciel a bon marou bac soit au veut prendre madame dans qui était à la vel le ciel a bon madame ou bac au gon vieux carnaï tu au camper pour prendre l'amour qui était au prendre l'amour qui était au prendre le ciel a bon caillou bac. Il est sur la primaire tout sans ouais ou voulez prendre en main là. Maintenant, ce avec frère, m'ta remé pendant que vous parlez ou même en dans cœur, vous réfléchissez sur ça. Pas quitter orgueil, plainte tout. Pas camper en face frère, pas camper en face sœur, pas quitter méchant. Pas quitter Satan, fait méchanceté rempli cœur. Pas quitter méchanceté rempli cœur. Il y a des gens qui ne veulent pas progresser, mais le ciel a des provisions pour vous. Il y a des gens qui ne veulent pas petit tout progresser, mais le ciel a des provisions pour vous. Même si vous êtes méchant campé en croix pour le déjouer petit tout, le ciel a des provisions pour vous. Même si vous êtes méchant campé en croix pour faire la vie ou difficile, le ciel a des provisions pour vous. Mon Dieu qui a restauré. Mon Dieu qui a restauré. Et pour vous-même qui tombez déjà dans une situation difficile, ou même qui sentez route la barrée pour vous, ou même qui ont tristesse, c'est vrai, mon Dieu sourit, mais dans le cœur, il y a une amertume. Je veux dire, matin, au nom de Jésus-Christ, bon Dieu voulait restaurer. Bon Dieu, voulez restaurer. Ou même qui ont foyer qui a brisé. Toujours qui ont hing-hang dans le foyer. Le ciel voulait restaurer. Madame, ça est madame, pas oublié. Marie, ça c'est Marie, pas oublié. Ou même qui ont petite, ou senti petite, ça voulait faire tête ou partie. Le ciel voulait restaurer. Petite, ça est petite. L'autre monde pas qu'à prendre le nom et Paul, bon Dieu, baoul. Bon Dieu, voulait restaurer. Quel que soit nature problème, non? Quel que soit hauteur problème, non? Quel que soit grosseur problème, non? Le ciel qu'a fait. M'a fini avec information ça pour m'baou. Où est Edo? Edo que nous avons parlé là. Lorsque Jésus-Christ vient pour le retourner. C'est à Edon, toute nation pour le réunir pour capable bataille. Lorsque Jésus-Christ lui-même l'a régné comme roi, il y a quelques autres grands monde dans l'autre nation qui est encore là, en bas contrôle Jésus-Christ. Oui. Mais nous, pour Edon, l'a disparaître sous quatre terres. L'a disparaître en haut. Même Jean l'Éternel t'a parlé avec le peuple Israël devant la mer rouge, il dit multitude ça que nous est cap vini là. Gros moment cap vini, il a disparaître en hauteur. Pas quitter orgueil plein tête non. Dieu fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. C'est pas orgueil non qui a fait l'église à progresser, c'est l'amour, c'est charité qui a fait l'église à progresser. C'est pour bon Dieu bénir au matin, c'est pour bon Dieu bénir en abondance. C'est pour bon Dieu faire de la vie une vie qui a arrosé l'autre monde qui est dans le soleil. Mais pas une vie qui a campé sur l'autre monde. Pas une vie qui a barré l'autre monde. C'est pour la vie ou servir une vie qui a aidé le monde qui est dans une situation difficile. Mais pas une vie qui a pris ça l'autre monde, même avec Edon. C'est pour bon Dieu bénir ce matin avec frère. Qu'il en soit ainsi pour vous.